بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالله كومبل دو بونور دي أمين الله يجزيك. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quelle belle affection, quelle belle douceur quand on aime vivre avec l'autre, quand on n'est pas dans la discrimination, dans la ségrégation, le racisme qui pue. Qu'il est beau le vivre ensemble, intelligent. Je vous encourage à continuer et encouragez-nous à continuer à s'accepter, à nous accepter, à accepter les différences. Qu'Allah vous comble par le bonheur de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère avec qui je suis dit celui-là est bon, de la bonté, est gentil et doux, mashallah, quand il veut exprimer son désaccord. Cela me stimule. Ils sont très rares, mais me stimulent. Donc il me dit, Akhi Abu Umam. Il aurait pu me dire, mais tu es nul, mais tu n'as rien compris, mais tu es ça maintenant. Akhi Abu Umam. Moi je lui dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me dit, Akhi Abu Umam, tu as mal analysé la situation en Syrie ou en Égypte. Le problème est au départ politique. Les takfiristes ne sont pas les instigateurs de ces révolutions. Donc c'est par rapport au rappel récent sur le takfir des pays musulmans. Il y a déjà un gag, j'ai beaucoup hésité au niveau du titre, parce que le frère qui m'a envoyé le mail m'a mis comme titre du mail le takfir des pays arabes. Et je me suis dit, ça réduit la problématique, parce qu'on a en Indonésie 200 millions de musulmans sur qui on peut appliquer les mêmes ressort de la démarche takfiriste. Donc j'ai remplacé le mot arabe par musulman. Donc mon frère avant tout revoit la question du frère. Donc le frère ne m'a pas demandé d'analyser les pseudo-printemps arabes ou la Syrie. Ça, tu peux trouver pas mal de vidéos. Je ne sais pas si tu connais un peu le personnage ou pas. J'ai traité, retraité, retraité ça jusqu'à ma retraite. Et ce que tu me dis globalement, je suis d'accord avec toi sans problème. Donc tu dis que c'est un problème politique, c'est surtout un problème économique. C'est l'économie à bas étage, les intérêts les plus minables, les plus mesquins. Je pense que tu les as vus ces derniers temps parler des vraies causes de ce qui s'est passé en Syrie. Maintenant, il parle du fameux oléoduc, des fameux accords initiaux entre Bachar el-Assad et le Qatar pour le fameux oléoduc. Mais finalement, le Bachar a signé avec l'Iran, et ce qui fait que c'est bon, ils ont décidé son arrêt de mort et la fin et sa fin. Donc ils ont commencé à armer les groupes et ils ont fait la pagaille totale. Donc tu reviendras des vidéos que j'avais fait il y a quelques années, tu verras que subhanallah, il n'y a rien, il n'y a pas d'intelligence dedans, il n'y a rien dedans. Et ça a toujours été comme ça malheureusement. Quand tu vois beaucoup d'acteurs différents qui interviennent dans le même endroit, c'est jamais pour les beaux yeux du peuple, c'est jamais pour l'élévation du peuple, c'est pour un intérêt, obligatoirement un intérêt tout le temps minable et bas. On peut détruire des millions d'âmes pour un intérêt minablement financier et économique. Ça, c'était le combustible de l'humanité depuis très 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 longtemps et ça continue de l'être. Donc dans mon rappel
La question qui m'a été posée, c'est sur le takfir. Donc, toutes les neurones de mon cerveau vont tourner autour de ça. Donc, tu sais que je fais pas mal d'allers-retours, qui peut ennuyer quelques-uns, qui peut faire dire à quelques-uns que je m'éloigne du sujet. Mais j'aime faire des allers-retours et insister, tourner autour du pot. Donc, la personne ne m'a pas demandé mon analyse de la série, de la situation de la série, chose que j'ai analysée il y a un certain temps, sur plusieurs vidéos que tu pourras voir, pas que la série, d'autres pays. Donc, mon problème également, c'est pas de dire qui est l'instigateur ou pas. Non. Un dictateur, quand il a vu une manifestation, au départ paisible, de civils qui avaient des choses à réclamer et qui ont voulu imiter ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, et le dictateur, fils de dictateur, a massacré son peuple. Et j'ai dit, c'est une constance. Attends, c'est une constante. Il y a un autre qui avait dit, il y a quelques années, si le peuple, je suis capable de tuer les deux tiers du peuple pour que l'autre tiers vive bien, vive tranquille. D'accord? Si les gens manifestent, c'est une règle chez nos amis dirigeants des pays arabes. Et en général, dirigeants des autres pays, attention. Attention. Si un jour on manifeste en France, à ce niveau-là, et s'il y a des intérêts contradictoires qui commencent à intervenir dans le pays, crois-moi qu'il va utiliser toutes sortes d'armes, toutes sortes d'armes. Toutes sortes d'armes, attention, il ne faut pas se laisser faire. C'est normal. Napoléon, comment on a connu Napoléon? Qu'est-ce qu'il est venu faire, Napoléon? Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, tu sais, c'est quoi? C'est quand la populace a commencé à manifester, à faire des bêtises, qu'est-ce qu'il a fait? Il a massacré. Massacré. Première chose qu'il a fait, 26 ans, je pense, 28 maximum. Même pas, même pas. Il a utilisé la force totale pour exterminer la population qui n'arrêtait pas de faire des bêtises. D'accord? Donc la situation, l'analyse de la situation, tu la connais, on la connaît globalement, ne pose pas de problème. Mais moi, la question qui m'a été posée, c'est sur le takfir. Et Habibi, moi je sais que ces secteurs que le frère a bien présentés, que je connais parfaitement bien, et je pense que tu connais, qui est printemps arabe ou pas, ils vivent dans cet idéal, ce rêve de rendre tout le monde kafir. C'est ça la problématique. Donc ma réponse tourne autour de ça. Pas autour de la situation en Syrie, que tu as bien analysé, machallah, et que j'ai analysé, que d'autres peuvent analyser, que tu sais, j'aime bien discuter avec tout type de personnes. Tu prends n'importe quelle personne. D'accord? Le plus. D'accord? Jazeera fait le nécessaire pour lui donner un minimum d'informations. Donc il pourra t'analyser ça sur des heures et des heures et des heures. C'est pas le problème. Moi, mon problème s'appelle nos amis qui s'appellent les musulmans. Je suis souvent dur avec mes amis qui s'appellent les musulmans. Les choses que les autres font, c'est normal, mon frère. Il n'a pas Allah dans son cœur, il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il fait est compréhensible. C'est l'humanité depuis X années, X millions d'années, X milliers d'années. Mais quand il s'agit de musulmans, en plus, c'est même pas le musulman moyen, le musulman lambda. Ah non, non, ce sont des musulmans qui se prennent pour des défenseurs de l'honneur de la Oumma. Et ça, quand ils perdent la tête, quand ils tombent dans le takfir de tout le monde, d'accord? Quand ils font des choses que personne normalement doué d'un minimum de crainte d'Allah ne fait, d'accord? Installer le façade, la pagaille, total, total, sachant qu'ils ont d'autres expériences avant, qui ne sont pas très lointaines finalement. Moi, mon ami, je dois dire à cette jeunesse qui se prépare à reproduire les mêmes bêtises et les mêmes erreurs que d'autres jeunesses malheureuses, je dois répondre, mon frère. Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'analyser la situation. Choisir l'endroit du monde, je dis, Moustapha, analyse maintenant cette situation, tu verras, Inch'Allah, il n'y a pas de problème avec bonheur et plaisir. Les takfiristes ne sont pas les instigateurs de ces révolutions, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ils sont lâches. Ils sont lâches à mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont profité de la situation. À partir du moment où il y a l'anarchie,
Le début de pagaille, c'est ce qu'il cherche avec bonheur et impatience. Avant que je prenne la parole, je les observe. Eh oui, je les écoute. Au lieu de lire quelque chose qui peut me... Parfois, je les écoute parler. D'accord? D'anciens de la Syrie. D'accord? Le Walou, il ne veut rien entendre. Il faut que ça continue. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 ans, 30 ans, le père de Bachar a tué sa famille, ses frères, ses sœurs, ses amis, son ancien groupe, a été la cause de son exil. Il ne veut pas oublier ça. Donc la niya a changé. La niya n'est plus la bonne. Et ça fait des pagailles, des pagailles, des pagailles. Donc les takfiristes dans tous les pays, Égypte, Tunisie, Libye, Afghanistan, à chaque fois, ils sautent sur la vague. Mais ils sont d'une lâcheté étonnante, ce frère-là, en général. Mais dès qu'il y a le début de la pagaille, façade, ils sont comblés, heureux, mais vraiment heureux. Et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils cherchent. Et c'est ça qu'ils théorisent, c'est ça qu'ils modélisent. Qu'il faut qu'il y ait une façade totale. Et crois-moi, mon frère, quand je réponds, moi, mon problématique, là, c'est une lointaine pour moi. Vraiment, très lointaine. Et observe ça dans l'histoire musulmane. Je leur fais le doigt, je les aide comme je peux, d'accord? Mais ce n'est pas dans mon niveau local à moi. Mon niveau local à moi, ce sont des jeunes qui ne rêvent que d'une chose. D'accord? Reproduire le modèle syrien ici. Donc le takfir, dans le takfir, ce qui m'intéresse dedans, mon frère, c'est mon niveau local, c'est égoïste, d'accord? Mais c'est n'importe quelle personne ne fait que ça. Nous sommes responsables de notre niveau local. La Syrie lointaine, si moi je pars en Syrie, ils vont me prendre pour un âne. Et tu verras le jour où la Syrie aura le retour de sa souveraineté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exterminer tous ceux qui aujourd'hui font la pagaille dedans. Et ils vont les mettre tous dehors. Tous, sans aucune exception. Donc le problème est local, ne l'oublie pas. Donc le takfir, c'est la Syrie par rapport à ici, qu'est-ce qu'elle fait? Donc la Syrie déstabilise mon ici. D'accord? Le déstabilise à mort. Et déstabilise quoi derrière? Déstabilise une jeunesse déjà très 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 délabrée, sans vouloir généraliser. Et ensuite, qu'est-ce que ça déstabilise? Ça déstabilise la pureté de l'islam dans leur cœur. Et dans leur vie, et dans leur comportement. Et ça déstabilise quoi? Dans un pays vierge de da'wah, dans lequel nous sommes responsables de faire la prédication, d'appeler les gens à Allah. D'accord? À Allah, pour que la lumière d'Allah règne sur le monde. Qu'est-ce que les problématiques du takfir font? Déstabilisent l'image que ces gens ont de l'islam. Et les éloigne encore plus de l'islam, alors qu'ils sont déjà à la base très éloignés. Et le travail qu'on peut faire sur 20 ans, 30 ans, un takfiri vient te le détruire en une seconde. Donc tu vois les approches, comment elles sont? C'est pas analyse-moi le problème de la Syrie. C'est pas ça. D'accord? Donc j'espère que tu as compris. Donc, ce premier paragraphe, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas, globalement, il n'y a pas de problème. Politique, tu la remplaces par économico-politique, et surtout économique, financier, minable. Les intérêts, l'oléoduc, des milliards et des milliards et des milliards, et une capacité de frappe, stratégique, géopolitique, malheureusement. Et c'est bon. Le peuple est sorti contre les tyrans, et qui ont fait de la contre-révolution, en créant l'entité Daesh, des gens manipulés, entre parenthèses, et des subterfuges pour faire croire à une révolution armée, alors qu'au départ, les manifestations étaient pacifiques. Non, mais ça commence toujours comme ça. Au départ, c'est même ici, en France, la manifestation commence pacifique et quelques éléments viennent faire les casseurs. D'accord? Maintenant, mon frère, Daesh est un système de pensée kharijite qui n'a pas besoin qu'on le fabrique.
et qui, même quand on veut le fabriquer, il se laisse fabriquer parce que les intérêts se rencontrent. Daesh est un fikr satanique, complet, système de pensée complet, satanique, une des meilleures réussites de Shaitan, qui date de l'avènement de l'islam juste après, qui était même contemporain à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas le prendre à la légère et dire on l'a fabriqué. On a armé un peu, oui, l'Arabie Saoudite s'est amusée, oui. Le Qatar s'est amusé. Oui, quand je le disais il y a quelques années, on me prenait pour un arme. Naam, va voir les vidéos qui parlent de ça. Et tu vas voir les gags, les commentaires, les milliers de commentaires parfois que je reçois, malheureusement. Donc, naam, il y a eu des gens qui ont armé des intérêts très contradictoires. Naam, qui ont renforcé, qui ont armé. Mais le fikr, il attend. Mais c'est ça le danger du takfir. C'est que dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle contrée, t'as des gens qui, subhanallah, ont adopté par leur orgueil, par leur satanisme, ce fikr. Ce fikr qui est à la base gentil, défendre l'honneur de l'Oumma, faire revenir Amjad de l'Oumma, la gloire de l'Oumma, les chercher dans les entrailles de l'histoire pour les ramener ici, les faire vivre. Beau. Le hadith parle de parfaitement bien. Yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmun ar-ramiyya. Quand ils voient une apparence parfaite, des actes parfaits, tahqiruna, il dit, vous allez mépriser, sous-estimer votre adoration à côté de la leur. Et ils tuent les gens de la foi et laissent les ennemis de la foi. D'accord? Eh oui! Donc, ça, quand des pays renforcent un peu pour leurs intérêts financiers, économiques, politiques, on peut les comprendre. C'est les chayatines qui font ce qu'ils veulent, les intérêts, l'humain bouge avec ça, très bien, dans les familles, au niveau individuel, l'âme, l'argent, le pouvoir financier, économique, fait faire de la tête. Mon frère, mon rôle à moi, c'est quoi? C'est faire le rappel, désectariser le secteur pour qu'il s'élève, pour qu'il efface son orgueil et inviter le non-musulman pour qu'il embrasse l'islam. Bon, j'essaye de faire ça, je dois le faire et chacun de nous doit le faire. Donc, fabrication ou pas, renforcement ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont toujours été là et ils attendent avec impatience. Et nous devons les combattre. D'abord par l'argumentation, d'abord par les textes sacrés, d'abord par la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'abord par la biographie des prophètes expliqués dans le Coran, d'abord par la biographie, le mouvement et la manière de vivre des sahabas. Et d'abord en les invitant à méditer sur l'histoire humaine et musulmane. Et à comprendre le contexte dans lequel nous vivons et comment il a complètement changé par rapport à la période médinoise, par rapport à des périodes imaginaires dans leur tête, les pauvres. Et ils se fichent royalement, et ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils se fichent royalement de tout, de n'importe quel texte. Khawarij, leur grand-père, a dit « Taqillah ya Muhammad ». Ittaqillah ya Muhammad, crains Allah ô Muhammad. Ils ont besoin de personne pour être fabriqués. Mais ça renforce, ça joue, non, ça joue à mort. Quoi d'autre? Donc, le peuple, naam, manifestation pacifique à la base, naam, les militaires ont fait comme en Algérie pousser l'opposition au combat. Donc là, à vérifier, à bien analyser, si Bachar avait pu arrêter ça dès le départ, crois-moi qu'il l'aurait fait. Mais c'est un engrenage. Et beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs régionaux et mondiaux
ont fait le nécessaire pour que la poudrière continue. Et je me rappelle très bien de cette époque où je voyais l'Ajab, l'Ajab, et je voyais les chouliours endoctrinés par leur système, endoctrinés par leur pays, qui rajoutaient le feu au feu, qui ont découvert que Bachar était un shaitan, était un kafir dans sa yurte. Ils l'ont découvert alors que quelques mois avant, ils ne disaient rien à leur patron et leurs dirigeants quand ils faisaient la bise avec lui, quand ils le câlinaient, et quand ils discutaient avec lui, quand ils passaient des nuits chaudes avec lui dans des palaces. D'accord? C'est ça, c'est extraordinaire, nous, chez Yohanou. Mais nous avons majoritairement, sans vouloir trop généraliser, nous avons aujourd'hui la fameuse église. C'est ça, nous avons la fameuse église. On s'est églésisé. Malheureusement, ça se dit pas. On s'est églésisé. Cette évolution, on la connaît parfaitement bien. Nous l'observons chez nos amis chrétiens. Nous l'observons chez nos amis juifs. Clergé. Quand le clergé pense que c'est lui qui signe à la place d'Allah et qui fait entrer celui qui veut au paradis et celui qui veut en enfer, le pauvre. Et quand il se pense quelque chose, et quand il oublie le pacte qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, et quand sa niyya, il ne maîtrise plus sa niyya, l'intention, pourquoi il fait les choses, pourquoi il dit les choses. Donc on a rajouté le feu au feu. Hein? Et aujourd'hui, c'est quoi la résultante aujourd'hui quand on parle de la Syrie? On pense quoi? Et c'est là où toutes les analyses géostratégiques, géopolitiques, je peux tout te montrer, des choses sur ça, des écrits. Je m'amuse à lire, je vois des belles choses, des merveilles. Mais à la fin, on voit quoi aujourd'hui aussi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les problématiques de la Syrie, les pays du printemps arabe ont fait? Ont produit quoi? Ils ont produit quoi? Ils ont produit des gens qui veulent continuer à exterminer leur peuple et leur pays. Qui savent que c'est une poudrière, que tant que la guerre civile continue, on va détruire, raser le pays. Et on parle de qui? On parle de, dis, allez, dis, on parle de musulmans, parle d'islam, parle de charia. Le monde aujourd'hui entier parle d'islam, musulman, charia. En étant quoi, finalement? En disant, ah, donc si l'islam règne un jour, on aura ça. Tu vois? Donc le mot takfir, quand on pose la question, et ça a toujours été le cas, alhamdoulilah, et je n'ai jamais changé d'avis dessus, personne ne peut changer d'avis ou douter de ça, le takfir, il est très dangereux, gravissime. Et j'ai rappelé souvent que les savants n'aiment pas s'aventurer dans ce domaine. Parfois sur des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, je te répète et je te rappelle que va revoir la question et dis-toi autour de quoi Mustapha tourne. Qu'est-ce qu'il cherche à dire? Il peut dire en une seule phrase, mais il va tourner. Pourquoi? Parce qu'une jeunesse, malheureusement, mais délabrée de chez délabrée. Déjà, à la base, sont l'Internet, sont le changement, sont les changements que nous sommes en train de connaître depuis une vingtaine d'années, subhanallah. Hier, j'ai dit 1 000 ans, non, je peux dire 10 000 ans, 15 000 ans. Les 20 années ont apporté des changements informationnels, la rapidité de l'information, la bizarrerie de l'information, le fait que toute la planète est devenue une chambre, une pièce, d'accord? Ça ne s'est pas produit en 15 000 ans. Et l'humanité n'est pas prête pour ça. Et nous sommes aujourd'hui victimes, malheureusement, d'une chose à laquelle nous n'avons pas été préparés. Du tout, du tout, du tout. Ni nous, ni nos parents, ni nos grands-parents. Cette information qui circule de cette manière-là, subhanallah. Et cet accès à l'information, à tout type d'information, à tout type de manipulation. Donc l'Égypte, malgré les massacres, ils ont réussi à se maintenir sur une direction, le pacifisme. À la seule différence, c'est que les militaires se sont entendus pour soutenir Al-Sisi, contrairement en Syrie. L'Égypte, mon frère, n'est pas sortie de l'auberge. C'est très compliqué, très complexe.
Et nos amis takfiristes là-bas ne vont pas laisser les choses se calmer, ils ne vont pas se reposer. D'accord? Et tu as vu comment Sisi a fait. Et tu as vu que c'est une problématique toujours qui tourne autour de la même chose qui s'appelle l'islam. L'islam, toujours. D'accord? Donc, toute l'histoire, c'est le printemps arabe. Pour nous ramener un pire que Hosni Mubarak. Est-ce que Hosni Mubarak a massacré ce qu'on appelle l'Ikhwan, les frères musulmans? À ce point, je ne le pense pas. Je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. 750 personnes, peine de mort. Les États-Unis vont dire, oh, c'est pas bien. Quelques associations, Amnesty, oh, c'est pas vraiment bien ça. Oh là là, bien. Moi aussi, peine de mort, allez, débarrasse. Démocratie pas respectée, c'est pas grave, c'est pas grave. Le Hamas monte il y a quelques années, non, 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 non. Le fils monte en Algérie, non, 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 non. Toujours la même problématique. Donc, quand on a aujourd'hui, on est dans un gag, nous, les musulmans. Les takfiris n'attendent qu'une chose, massacrer le monde musulman et les musulmans. C'est ça qu'ils veulent. Ah, ce n'est que ça. Ils ont massacré les Sahaba. Ils veulent massacrer les musulmans et le monde. Et ils ne croient en rien, les takfiris. Ah, je vous dis. Je vous dis. Mais vraiment rien. Ils ne croient qu'en le côté le plus maléfique de leur âme. C'est ça qui les fait rouler. Leur combustible à eux. Ah, les kafirs. Les Sahaba kuffar. Ils tuent un Sahabi. Il tue dans le trajet, il tue le sahabi. Quelque temps après, il trouve un anima. Ben, il dit non, 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 il ne faut pas tuer. Ah non, c'est sacré, il ne faut pas tuer. Là, on s'approche de l'affaire sacrée. On doit, alors que quelques kilomètres avant, ils ont tué un sahabi. C'est ça, les khawarij, j'ai rien à comprendre. Et on a, quoi d'autre? On a des gens qui s'appellent les frères musulmans, les khouan. Qui n'ont jamais normalement développé à ce point ce type. Parfois, ça théorise. Et les Rouen, c'est pas une entité claire et précise. Ils ont pu avoir le pouvoir. Entre parenthèses. Et vous avez vu ce qui s'est passé. D'accord? Donc, l'Égypte, alhamdoulillah, elle n'a pas connu, alhamdoulillah, mais elle connaît beaucoup beaucoup de déstabilisation. Financièrement et économiquement, c'est un pays dans le gouffre, malheureusement. C'est une poudrière humaine, sociale. Elle explosera, quoi qu'elle arrive, malheureusement. Vraiment, quand tu vois le quotidien des Égyptiens, tu dis, Mashallah, qu'est-ce que le printemps arabe a apporté? C'est de pire en pire en pire en pire en pire. Naam. Si les pays musulmans étaient venus en aide au peuple syrien, tôt dans la bataille qui a opposé le régime et les soldats qui ont fait défection pour protéger le peuple, Nusra ne serait pas apparu en Syrie, Daesh ne serait pas rentré d'Irak. Ok, très bien. Mais ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Ils ne voulaient pas le faire. L'ennemi des musulmans racistes, islamophobes des temps modernes, le seul ennemi, ça s'appelle le musulman. Le Saoudien se fiche royalement du Syrien. Le dirigeant saoudien se fiche royalement du Syrien. Il y a un racisme total. Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Tu peux me dire c'est normal? Ok, mais c'est pas au point de massacrer l'autre. De finir avec l'autre, de manipuler pour détruire l'autre, pour des intérêts économiques. Donc si, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Et c'est pas le problème, c'est pas mon problème. Oui, mais faut make Paris in the bottle, n'est-ce pas? In English, I'm aware. Mais, c'est pas mon problème à moi. D'accord? Ce que les dirigeants font, ce que leurs problèmes font. Tu vas dire, ok, chacun, bon, la politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts, pourquoi pas? D'accord. Moi, mon problème s'appelle le musulman lambda. Quand il pense quelque chose qu'il n'est pas, et qu'il ne doit pas être, et qu'il n'est pas dans ses cordes,
Et Allah ne lui demandera pas des comptes pour ça. D'accord? Le takfir, oh, les pays n'appliquent pas, et les pays, et on voit dans les pays, et les dirigeants, et ils vous ont les armes pour que la charia s'installe dans le monde, tout ça, c'est pas ton problème. Le jour où tu arriveras à installer 1% de la charia dans toi, c'est bon, c'est le début du changement. Mais tu vois bien, tu te connais parfaitement bien, pas celui qui a écrit le message, le musulman, en général, le pauvre. Tu vois bien la bassesse de l'âme maléfique dans laquelle tu vis. Souvent, tu ne sais même pas si tu es croyant ou pas. Imagine. Tu ne sais même pas si tu es croyant ou pas, le pauvre. Tu n'as même pas fait l'analyse du cœur et de l'âme pour comprendre pourquoi tu es musulman. Souvent, tu as hérité la chose par idéologie totale, par réaction à une problématique malheureuse qui t'a touché dans ta vie, par frustration. Souvent, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah, sans vouloir généraliser. Alors, tu pars jusqu'au takfir de gens qui ne sont même pas dans ta planète, qui ne sont même pas avec toi, dans le même monde. Les dirigeants, les responsables, et voilà, ici et ça. Paru en Syrie, Daesh, je serais OK, je ne serais pas rentré en Irak. Je dis, mais ça fait. C'est plus fort que ça, mon frère. C'est beaucoup, beaucoup plus global que ça. Envoie-moi ton mail, je vais t'envoyer peut-être un article, si je le trouve, un des premiers articles que j'avais écrit il y a longtemps. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que j'essaie de faire. Tu dois toujours garder l'esprit. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Hey, après ça, on analyse les événements, on met un événement à côté de l'autre. Mon problème, c'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Quoi que tu fasses, intervention des pays ou pas, aide des pays ou pas, nous avons parmi nous des groupes et des gens qui ne pensent que takfir, qui ne pensent que leur propre famille, qui ne pensent que mal, qui ne pensent qu'orgueil, qui ne pensent qu'elle façade, qui ne veulent que ça. Ils sont minoritaires, alhamdoulilah, chez nous, mais une petite minorité de rien du tout, aujourd'hui, du tout, de rien du tout, peut te déstabiliser un pays. À mort. Que ça soit elle en initiatrice, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils sont toujours cachés comme des rats. C'est quand il y a le début de la pagaille. Dès qu'il y a déstabilisation, début de déstabilisation, ils sortent les chauves-souris. C'est ça que tu dois essayer de comprendre. Maintenant, à moins que tu veux dire qu'un peuple doit vivre sous le joug d'un tyran et ne jamais manifester, comme le disent les salafis, dans ce cas, je comprendrai ton discours. C'est très intelligent la manière avec laquelle tu m'as posé ta problématique, très intelligent. Non, je ne l'ai jamais dit. Nous devons toujours nous déployer pour tahrir le munkar, pour changer le blâmable. Toujours, toujours, toujours. Et nous avons plusieurs manières de le changer. Munkar, tu le connais, le hadith. Et on doit toujours analyser si je fais le tahrir le munkar, hein? Est-ce que je ne vais pas ramener, provoquer, attirer à mon cas incomparable en énormité, en profondeur au premier? Et je dois faire tarir mon cas selon mes possibilités, mes capacités, ce que je suis dans la société, dans le monde. Le savant rendra des comptes devant Allah, puisqu'il a été. Allah lui a donné la science et une responsabilité de cette science. Il s'est présenté comme l'héritier des prophètes. Donc, ce n'est pas qu'une étiquette, ce n'est pas qu'un diplôme, ce n'est pas qu'une réputation. Non. C'est surtout une responsabilisation devant Allah. Quand tu te prétends, ou quand tu ne le dis pas, mais tu laisses les autres le prétendre et le dire de toi, quand tu es l'héritier des prophètes. Donc, le savant rendra ses comptes. Le dirigeant rendra ses comptes. Toi, si tu hérites trois palais et trois boîtes de nuit à Nice, d'accord? Habibi, tu agiras, tu réagiras d'une autre manière. Tu descends peut-être d'un menuisier, bah, tu gères et tu agis d'une autre manière. Donc chacun, voilà, c'est sa vie qui fait de lui ce qu'il peut être quand il se laisse entraîner par la vie, par la cupidité de la vie, les problèmes de la vie, les intérêts de la vie.
Si un jour ou un autre il se connecte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il commence son cheminement vers la foi pure, pure, pure en Allah subhanahu wa ta'ala, et petit à petit il se laisse entraîner par taqwa, par la piété, par l'ihsan, là il est différent des humains, ils sont rares ceux-là. D'accord? Maintenant, tu me parles de dirigeant, il a hérité un pouvoir, bah, Habibi, normal, ça a toujours été comme ça, majoritairement. Il va tout faire pour garder son pouvoir et son pouvoir va devenir son Dieu. D'accord? Donc, oui, par rapport à ça, donc, nous devons changer les choses. Si on doit manifester, on manifeste. Si on voit que la manifestation peut apporter quelque chose. Si on connaît un peu l'état d'esprit général. L'ouaï, la conscience de notre société, de notre village, de notre quartier, si on sait que notre manifestation va apporter quelque chose, si nous avons un niveau de ouaï, de conscience intellectuelle et du cœur et d'éducation, on manifeste. Il y a plusieurs manières de changer le monde, car on essaie comme on peut de choisir les meilleurs. D'accord? La problématique de la Syrie était autre, malheureusement. D'accord? Parce que si, il y a eu plusieurs intérêts, et il fallait finir avec Bachar el-Assad et l'entourage de Bachar el-Assad, quitte à détruire, à raser de la terre la Syrie. Et s'il faut il faut la raser. Et vous, tu as vu qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a en... La hawla wa la quwwata illa billah. Nous sommes heureux, nous sommes comblés. Maintenant, si j'ai un fikr qui me dit il y a un doute au niveau de la manifestation, regardez ce qui s'est passé. S'il y a eu des ijtihadat, si c'est bien analysé, hein, mais le hamla, ça a été analysé depuis très 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 longtemps. Et mon salafi ou pas salafi, ces histoires de manifestation, de mouvement, de. Ça fait longtemps, alhamdoulilah. Compas, on a l'exemple même de nos fondateurs de Mazahir. Globalement, dans leur vie, ils ont choisi la non-confrontation avec les dirigeants. Quel que soit parfois le niveau d'injustice et d'oppression de ces dirigeants. Et on a eu d'autres, surtout de Al-Bayt, les descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont choisi le combat, la confrontation, ça a fait des dizaines de milliers de morts, souvent. Ça a fait des ravages, et ils n'ont pas pu finalement changer quelque chose. Époque Omeyyade et époque Abbaside. D'accord? Toutes les factions armés en Syrie, même nos savants, tous se sont mis d'accord pour faire tomber un boucher avant de parler de charia. Bien, théoriquement. Au début, il y avait des âmes sincères qui se sont dit, il est injuste, il est oppresseur, il n'y a rien à faire, on va se défendre. C'est leur droit, ça. C'est légitime. Que s'est-il passé après? Et c'est toujours comme ça, Habibi. Et on n'a pas du tout le wa'i pour éviter ça. On a besoin peut-être de 300 ans, 400 ans, 500 ans peut-être, minimum ou plus, pour atteindre ces niveaux. Les musulmans, au début, vont commencer. Bon, un leader ou deux, quelques charismatiques, qui sont ce qu'ils sont. Ils vont manipuler, fédérer quelques gamins qui, avant-hier, buvaient de l'alcool, qui n'ont pas eu le temps de se former à la piété, au cheminement, à la crainte d'Allah. Et petit à petit, ça se divise en infinis groupes. Et chaque groupe pense que c'est lui, c'est pour lui que l'humanité a été créée. Et il est le seul à avoir tout compris. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à s'entretuer. Eh oui, c'est ce que je dis, je n'arrête pas de dire, moi, mon ami, je suis de la génération de ce qui s'est passé en Afghanistan quand ils ont fini avec l'ex-RSS. Donc je ne peux pas ne pas être marqué par ça. Je suis marqué jusqu'à ma moelle épinière. Quand ils ont fini avec l'ex-RSS, ils ont fait comme ça.
Ils ont fait comme ça. Je le fais tout le temps, celle-là. Tout le temps. Depuis quelques années. Comme ça. Comme ça. Même quand j'étais au niveau local. Même quand je prêchais localement. Loin de l'Internet. Comme ça. Comme ça. Ils ont dit quoi? Il n'y a plus de raison d'être. Il faut le combattre. Donc ils vont inventer des raisons. Ah, lui, il est trop proche d'eux. Lui, il est trop. Ces groupes-là, c'est que la vanité et l'orgueil. Ils vont commencer à s'entretuer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en Afghanistan? Et les savants, les pauvres. Oh, les savants. Ont tout essayé, les pauvres. Pour installer la paix. Walou. Pas les bons sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. Et au lieu de se calmer, ils ont dit non, non. Eh ben, il faut qu'on fasse parler de nous. Américains, ils sont venus, les hommes du massacre. Ils ont vécu quelques années quoi, dans des trous, comme des rats, et aujourd'hui ils commencent à se manifester parce que les États-Unis sont fatigués. D'accord. Et demain ils vont te dire, ah, l'Arabie Saoudite n'est pas assez musulmane, il faut massacrer l'Arabie Saoudite. Allez. Nos anciens alliés. Ah, c'est des gags, les musulmans, attention. Les musulmans, gags. Gags total. Voilà, donc là, ils s'entretuent, Bachar. Bah, c'est la fête. Mais c'est la fête pour Bachar. Mais c'est le bonheur total. Mais là, il est dans. Mais vraiment, il est dans le nirvana. Ils s'entretuent entre eux. Et ils ne vivent que pour ça. 25 groupes, 30 groupes, plus ou moins, qui se divisent comme des cellules cancéreuses. Et que chacun veut le pouvoir, que chacun pense qu'il est proche de la sunna, le Coran et la sunna. Hein, ils s'entretuent. Parfait. À qui profite le crime? Mais c'est le bonheur, mais c'est normal. C'est normal. Les mécréants. Les plus durs dans les mécréants. Les groupes que vous n'entendez pas du tout. Ceux qui manipulent, de loin. Qu'est-ce qu'ils. Bah, on ne fait rien. Enfin, laissons-les. Parfait. À qui profite le crime? À qui? Aux musulmans? Non. À l'islam? Non. Parfait. Laissons-les. Laissons-les. Détruisons-les. Laissons-les. Se détruire. Nous avons nos intérêts. Tu vas parler d'Algérie. Il y a des endroits en Algérie à 100%. Sécurité totale. À 100%. Pas de mouvement. Il y a intérêt financier pour les États-Unis et ses amis. Le problème est complexe. Quand les gens parlent du dar al-kufr, ils parlent de la non-application de la loi d'Allah. Ils ne pensent pas forcément au châtiment corporel comme le petit Akfiri daïchien qui applique l'islam des islamophobes. Non, pour eux. Donc voilà. Ah oui, mais ce qui a marqué l'humanité aujourd'hui, quelle qu'elle soit, le sujet absolu de l'humanité, quelle qu'elle soit, dans les familles à l'époque, dans nos familles même actuellement, quand on parle de barbus musulmans, qu'est-ce qu'on voit? Mais avec franchise, je parle de niveau local. Quand un parent sait que son enfant aujourd'hui, même dans les pays musulmans, avant même Daesh, qu'est-ce qu'il pense? Il a peur. Et il est traumatisé. Et l'enfant devient sectaire à mort, même au sein de sa famille. Le takfir, le tabdi, le tafsir, à gogo. Donc, la charia, chez nos groupes, au moins, si un jour un nous dit application de la charia, il nous explique ce que c'est. Et il nous montre que pour atteindre la possibilité d'appliquer la charia, il respecte la charia. Pourquoi pas? On le suit tous. Mais ça crée un façade total. Et s'il y avait plus fort de le façade, on l'aurait utilisé. Un façade absolu, subhanallah. Non, pour eux, la loi d'Allah, c'est éliminer la corruption qui gangrène les pays musulmans. C'est choisir ses dirigeants. C'est installer plus de justice sociale. C'est l'équité entre les gens. C'est comme le disent certains, les pays non musulmans sont plus musulmans que les nôtres en politique intérieure, je crois. Mais Habibi, tu entends n'importe quel kafir, n'importe quel humain, ben, il te dira la même chose. Ça, c'est un idéal, le rêve de tout être humain. Qui a un minimum d'humanité. Le marxiste, le léniniste, le staliniste, le communiste, et tous les istes de l'humanité, et tout être humain, tout homme politique. Ce blabla, tout le monde sait faire.
Maintenant, comment atteindre ce blabla? Là, c'est autre chose. Et il va y avoir toujours de la pauvreté, de l'injustice, du mal. Il y en aura, ça restera. Donc chacun de nous essaie de faire quoi? Comme il peut, d'augmenter le bien, réduire le mal, en lui et autour de lui. Maintenant, le chemin à adopter, le comment, ça, tu n'entendras jamais des gens le dire. Et quand des gens commencent à le dire, Habibi, leur premier ennemi s'appelle qui? Les musulmans. Quand des musulmans commencent vraiment à te montrer la voie clairement, d'accord? À comment atteindre ça clairement, en observant le Coran et la Sunna, et surtout, en troisième position, ou en deuxième position, comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu et à gérer l'événement pendant 23 ans. Quand quelqu'un fait ça, c'est notre ennemi. Et nous avons, alhamdoulilah, dans notre oumma, des savants, des héritiers des prophètes, qui ont théorisé la chose, qui l'ont vraiment théorisé. D'accord? Maintenant, il faut qu'on commence, nous, à essayer de la vivre par rapport à notre contexte. Et ça, c'est un autre combat. Et ça, c'est le combat le plus dur. Parce que personne ne veut le faire, illa man rahima rabbi. Ce combat, tu dois te faire sur toi-même. Pour élever ton niveau du cœur et de l'âme. Et pour t'élever. Et pour essayer d'approcher. Juste d'approcher. De très loin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son comportement. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ces analyses, mon ami, je disais, 3 ou 4 vendredis de suite. Dès l'avènement des pseudo-printemps arabes, je prêchais dans ma mosquée à l'époque. Et je mettais en garde. Et je savais, mais c'est simple, clair, comme bonjour. Pas besoin de beaucoup de choses pour le voir. Surtout chez les musulmans. Surtout chez les musulmans. L'anarchie a toujours caractérisé l'humain. Non, toujours. Il a des tendances maléfiques, sataniques, d'amour de l'anarchie. Mais quand tu rajoutes le mot musulman, donc quelque chose de religieux, ah, donc le pauvre il le fait en pensant qu'il est au paradis, là. Il va exploser, il va faire exploser, il va déstabiliser un quartier, un village, un endroit, en pensant le pauvre qu'il est à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la droite du trône. Et là, ça devient vraiment une poudrière sans fin. D'accord? Jazakallahu kulla khair ya Habibi pour ton analyse. Akramakallahu, qu'Allah te bénisse. Essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. C'est simple comme bonjour, mais il faut qu'on tourne et on tourne et on tourne et on tourne. Le jour du jihad, on continue pour l'expliquer. Alors c'est tellement simple. Je te dis, Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Individuellement, il y a un changement à faire. Est-ce que tu le vois en toi? Ferme tes yeux. Médite sur toi-même. Vois-toi. Vois-toi dans le miroir de ton âme en comparatif au comportement coranique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.